Il est journaliste à Top Music, Thomas Stenico dans la Top Family ce soir. Bonsoir Thomas. Salut Erwan. Avec toi ce soir, on parle du football Gaël Strasbourg. Ouais, c'est ça, je vais te parler de foot gaélique et en fait, je vais pas parler même de foot ou de natation, c'est un peu trop classique pour moi. Moi, j'aime l'originalité, tu vois. Du coup, ouais, le foot gaélique, et c'est le sport le plus populaire chez nos amis irlandais. Ben ouais, toi, t'es un homme, un vrai. Alors, quand on fait partie, comme toi, du football Gaël Strasbourg, on fait un mélange de plusieurs sports, c'est ça? Ouais, t'as un peu de tout, du handball ou encore du basket. T'as beaucoup de règles similaires avec ces sports de ballon. Mais si je dois vraiment citer deux sports, en premier, t'as le foot. Il y a les mêmes cages. Hein. On peut mettre de magnifiques lucarnes. Tu peux être le Ronaldinho irlandais, un peu, qui valent pas un, mais trois points. Et t'as des poteaux de rugby. Hein. Si on met un drop, c'est un point. Et surtout, c'est un peu physique. Hein. T'as les plaquages. Je peux te dire, il faut avoir un protège-dents. Hein. J'en ai fait les frais. Alors, si j'ai bien compris, on joue avec les mains comme avec les pieds. Ouais, c'est ça. Les mains, les pieds, t'as une règle de pas. C'est un mélange de plein de sports. Tout le monde peut s'y retrouver. Et il y a un peu de castagne. Un peu de castagne, comme je t'ai dit. Il faut avoir un protège-dents, c'est réglementaire. Et à l'image du football Gaël Strasbourg, c'est un sport qui se développe de plus en plus en France. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu as même une fédé française. Hein. Il y a plus de 800 licenciés et plus de 25 clubs. Bon, la majorité, ils sont en Bretagne. Hein. Ils sont chauds là-bas, les Bretons. Mais si vraiment tu vas aller sur The Club, le meilleur club, pour venir ici à Strasbourg, en Alsace, avec les Strasbourg Gaël et le club, il se développe de plus en plus. C'est ce qu'il m'a expliqué Maël Dansette. C'est le fondateur et le président du club ici à Strasbourg de football gaélique. Cette année, je pense qu'on peut vraiment tabler sur une cinquantaine de licenciés. Alors, on est vraiment ouvert à toutes les pratiquantes et les pratiquants. On n'a pas encore de section jeunesse, mais dès 16 ans, vous pouvez nous rejoindre et on sera ravis de vous initier, quel que soit votre niveau sportif. Alors, quand on fait du sport et quand on s'inscrit au football Gaël Strasbourg, il y a l'aspect sportif, c'est vrai, mais il y a aussi une vraie culture, la culture nord-irlandaise qui te va à merveille, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, Erwan. Il y a l'aspect sportif, comme tu l'as dit, mais il y a un peu l'aspect culture aussi, avec la musique, la langue aussi, l'anglais, parce qu'on a la chance ici à Strasbourg d'avoir beaucoup d'étudiants Erasmus, mais aussi les institutions. Et ouais, quand tu fais du football gaélique, pardon, tu fais du sport, mais aussi tu apprends un peu tout ce qu'il y a autour de la culture irlandaise. C'est ce que m'a dit Maël Dansette, le président. L'idée, c'est qu'au-delà de la pratique sportive, tu vas parler anglais aussi avec les Irlandais, tu vas découvrir un peu toutes les facettes de la culture irlandaise, la danse, la musique. Le club a vocation, en fait, au-delà du sport, aussi à promouvoir la culture irlandaise. Quoi. Depuis tout à l'heure, on parle du football Gaël Strasbourg. Ça serait bien qu'il y ait d'autres clubs de football gaélique dans la région, à Colbar, par exemple, pour faire des derbies. Moi, ça me fait penser à un album d'Astérix, je ne sais plus lequel, mais ils jouent une forme de rugby, Strasbourg, de football gaélique. Et alors, à Strasbourg, les mecs, ils ont de l'expérience. Mais moi, avec ma taille de guêpe, je peux me lancer ou pas? Franchement, c'est ouvert à tout le monde. C'est un sport surtout qui veulent montrer aux Frenchies, tu vois, aux Français, comme toi ou comme moi. Moi, je ne suis pas un pro du sport, hein, du foot ou du rugby. Hein, ça se voit, je n'ai pas un gros background de sportif. Et pourtant, tu t'intègres plutôt bien au club. Hein, y a une bonne ambiance, c'est convivial et c'est plutôt sympa. Comme il l'a dit, c'est ouvert à tous. Je risque de me faire défoncer quand même. Tu risques peut-être un peu de te faire défoncer, mais t'inquiète, on prend l'habitude. Alors, il en est où le club, le football Gaël Strasbourg? Bah écoute, actuellement, là, la saison va bientôt démarrer. Ils sont en pleine phase de recrutement, là, au début septembre. D'ailleurs, samedi prochain, le 10, il y a une séance d'initiation ouverte à tous, pour ceux qui veulent soit rejoindre le club, soit juste découvrir le sport. Et surtout, en juillet prochain, t'as les World's Games à Dublin, en Irlande. C'est un peu les championnats du monde. Le club veut participer et ils sont encore à la recherche de sponsors alsaciens pour les aider à atteindre la compétition. Et si c'est le cas, si vous voulez vous aussi investir et aider le football Gaël Strasbourg, il y a une page Instagram, Facebook, TikTok. Ouais, il y a les deux. Il y a une page Facebook qui s'appelle le Football Club Gaélique de Strasbourg et tu as un TikTok qui s'appelle Football Gaels où c'est un peu plus ludique, où ils t'apprennent les bases du jeu et qui t'encouragent aussi à venir les rejoindre. On y va ensemble samedi alors pour les journées portes ouvertes? Quand tu veux, on sera défoncés tous les deux. Je risque de me défiler, hein, tu sais. Pas grave. À bientôt, merci beaucoup Thomas. Je te remercie Erwan et à la prochaine.